interrompt. La musique d'ameublement n'a pas de prénom. La journée du musicien. L'artiste doit régler sa vie. Voici l'horaire précis de mes actes journaliers. Mon lever à 7h18. Inspiré de 10h23 à 11h47. Je déjeune à 12h11 et quitte la table à 12h14. Salutaire promenade à cheval dans le fond de mon parc. De 13h19 à 14h53. Autre inspiration de 15h12 à 16h07. Occupations diverses, escrime, réflexion, immobilité, visite, contemplation, dextérité, natation, etc., etc., de 16h21 à 18h47. Le dîner est servi à 19h16 et terminé à 19h20. Viennent des lectures symphoniques à haute voix de 20h09 à 21h59. Mon coucher a lieu régulièrement à 22h37. Hebdomadairement, réveil en sursaut à 3h19, le mardi. Je ne mange que des aliments blancs, des œufs, du sucre, des os râpés, de la graisse d'animaux morts, du veau, du sel, des noix de coco, du poulet cuit dans de l'eau blanche, des moisissures de fruits, du riz, des navets, du boudin camfré, des pâtes, du fromage blanc, de la salade de coton et de certains poissons sans la peau. Je fais bouillir mon vin que je bois froid dans un jus de fuchsia. J'ai bon appétit, mais je ne parle jamais en mangeant, de peur de m'étrangler. Je respire avec soin, peu à la fois. Je danse très rarement. En marchant, je me tiens par les côtes et je regarde fixement derrière moi. D'aspect très sérieux, si je ris, c'est sans le faire exprès. Je m'en excuse toujours et avec affabilité. Je ne dors que d'un œil. Mon sommeil est très dur. Mon lit est rond, percé d'un trou pour le passage de la tête. Toutes les heures, un domestique prend ma température et m'en donne une autre. Depuis longtemps, je suis abonné à un journal de mode. Je porte un bonnet blanc, des bas blancs et un gilet blanc. Mon médecin m'a toujours dit de fumer. Il ajoute à ses conseils, « Fumez, mon ami, sans cela, un autre fumera à votre place. »